Psalms 23, verse 3. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. Version semaine. Il me rend des forces neuves. Il me rend les forces neuves. Alléluia. Amen. Il me regaillardit. Il me ragaillardit. Ragaillardit. Amen. Alléluia. Il me donne un chemin. Guider, c'est un mot participatif. On dit participatif. Ça dit que guider veut dire que tu es avec la personne. Ce n'est pas qu'il me montre le chemin. Il me guide. Ça dit qu'il marche avec moi en suivant. Parce que le pasteur est impliqué dans les vies de ses brebis. Donc, quand je dis leadership là, ce n'est pas vraiment leadership que tu montres à quelqu'un où aller. Ou bien tu montres à quelqu'un quoi faire. C'est que tu marches avec la personne en vue de la mener à bon port. Le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Semain, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Oui. Première partie. First part. I will fear no evil because you are with me. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Malgré les points bas, c'est-à-dire les vallées. Despite the low areas, that is low moments, that is valleys, the valleys. Malgré les périodes de dépression et malgré les périodes de ténèbres où je ne vois même pas très clair ce qui se passe dans ma vie, au moins tu es avec moi. Moi. Le ministère pastoral, c'est un ministère d'être présent. Amen. Pastoral ministry is a ministry that requires that we be present. Donc on appelle ça assurance. It is called assurance. Le pasteur rassure. On dit assurance. Et rassure. Le pasteur rassure les brebis en étant avec eux dans leur moment bas et dans leur moment de tâtonnement et de ténèbres. Le pasteur est là pour enlever la peur. La peur dans la vie, en étant là avec ces gens. Un jour, au Nigeria, j'étais obligé de définir le ministère pastoral à quelqu'un. One day in Nigeria, I was obliged to define pastoral ministry to somebody. Quand j'ai cherché, et je ne savais pas ce qui va vraiment communiquer. After searching, looking for the best thing to communicate it. Qui ne sera pas juste un jargon. That will not just be a mere jargon. Je les ai dit, ton pasteur, c'est celui avec qui tu aimerais être dans l'avion quand le pilote dit que ça va crasher. I told them that your pastor is the one with whom you would like to be in a plane when the pilot says that it will soon crash. Parce qu'en ce jour, because in that day, tu sauras si Dieu est avec ton pasteur ou pas. You will know whether God is with your pastor or not. Un enfant normal, a normal child, veut être à côté de sa mère quand elle se sent menacée. Would like to be near his mother when he feels threatened. Ce n'est pas que la maman peut empêcher quoi que ce soit. It's not that the mother can stop whatever.
mais se sentent dans insécurité. But they feel insecurity. They feel secure. Le pasteur apporte ça. That is what the pastor brings. Le pasteur, c'est celui avec qui tu veux être dans les moments bas de ta vie. The pastor is the one with whom you would like to be when you are going through the low moments of your life. Et through les moments ténébreux. And the dark periods. C'est l'assurance. It is assurance. Le pasteur doit gérer les nombreuses craintes et peurs dans les vies de leurs brebis. The pastors must handle the many fears in the lives of his sheep. Quand on va revenir, si on revient. When we go come back to it, if at all we come back to it. Ça veut dire que le pasteur lui-même ne doit pas être un pessimiste. It means that the pastor himself must not be pessimistic. La personnalité du pasteur doit être optimiste. The personality of the pastor must be optimistic. Il doit savoir naviguer les ténèbres. He should be able to navigate into the darkness. Go through the darkness. Un pasteur normal ne doit pas être lui-même un peureux. A normal pastor should not himself be a fearful person. Ça ne doit pas être quelqu'un qui fuit la vie. It should not be somebody who runs away from life. C'est quelqu'un qui est l'ami des déceptions, l'ami des désillusionnements, l'ami des problèmes, l'ami des douleurs. Il doit être à l'aise. It should be someone who should be a friend of disappointment, a friend of disappointment, disillusionment, fears, difficulties. He should be at home when facing such situations. Il doit pouvoir dire à ses brebis. He should be able to tell his sheep. Ne vous en faites pas. Don't worry. J'ai passé par ici. I went through all this. He must bring assurance. Il doit apporter de l'assurance. He must strengthen. Il doit fortifier. He must answer the irrational fears of his people when they are going through a bad moment. Il doit répondre à la peur irrationnelle de ces gens quand ils passent par des moments bas. That's the pastor. Ça, c'est un pasteur. The pastor is a mother hen. Le pasteur, c'est une mère poule. He's a mother hen. C'est une mère poule. He spreads his wings. Il étend ses ailes. So that the chick may know he is there. Pour que ses poussins puissent savoir qu'il est là. He must be somebody that his people can feel. Il doit être quelqu'un que ces gens doivent ressentir, peuvent ressentir. A pastor must not run away from the burial of his sheep. Un pasteur ne doit pas fuir l'enterrement de sa brebis. A pastor who is running away from when his sheep are to be buried. Un pasteur qui entend fuit l'endroit où sa brebis doit être enterrée. Ou bien quand ses brebis passent par des moments bas. A pastor who writes a separation from the common. Un pasteur qui écrit une séparation du commun. I shall never attend burial. Je ne prendrai jamais part aux enterrements. He should resign. Il doit démissionner. The great shepherd, the Lord Jesus, was at the burial of Lazarus. Le grand berger, le Seigneur Jésus, était à l'enterrement de Lazare. And he was there at the burial of the son of the widow of Nain. Il était là à l'enterrement du fils de cette veuve de Nain. He went there to bring comfort to the living. Il était allé pour apporter la consolation à ceux qui sont vivants. If your holiness, your sanctification is more than Jesus. Si ta sainteté, ta sanctification est plus que Jésus. Then you have resigned. Alors tu as démissionné. To be uninvolved with the lives of your people when they are going through low moments. Ne pas t'impliquer à la vie de tes gens quand ils passent par des moments bas.
That's not a pastoral ministry. Ça, ce n'est pas un ministère pastoral. Maybe you are, you may be a great leader. Tu pourrais être un grand dirigeant. Because in leadership, parce que dans le leadership, even if you are wounded, même si tu es blessé, we are on a battlefield. Nous sommes sur le champ de bataille. If you are a soldier, si tu es un soldat, and you are wounded on the battlefield, et tu es blessé sur le champ de bataille, a good colonel, un bon colonel, he will tie your leg, il va attacher ta jambe and push you up, et te pousser à avancer. That's the only way to survive. Ça, c'est la seule manière de survivre. You must keep moving. Tu dois continuer à avancer. No good leader will sit down there with you. Aucun bon leader ne va s'asseoir là avec toi. To nourish your pain. Pour nourrir tes douleurs. He'll kick you to move on. Il va te botter pour que tu avances. Your survival depends on his brutality. Ta survie dépend de sa brutalité. Say amen. Dis amen. Leaders are to be brutal. Les leaders doivent être brutaux. Good leaders are brutal. Les bons leaders sont brutaux. Move. Avance. So that you may have a chance to live. Afin que tu puisses avoir la chance de vivre. We can't be indulgent on the battlefront. On ne peut pas être indulgent au front de la bataille. But everyone should know his calling. Mais chacun doit connaître son appel. This morning, ce matin, I was thinking of little Nina. Je pensais à la petite Nina. She met me when I was still a very brutal fellow. Elle m'a rencontré quand j'étais encore un gars brutal. In Lagos. À Lagos. I think she left the meeting. She left the meeting. She left the meeting. Elle avait quitté la réunion. To go and ease herself. Pour aller se mettre à l'aise. And then she met me. Et puis elle m'a rencontré. À toi, Kobak. Elle m'a dit, s'il te plaît, j'ai dit de. She told me, please, Anatoa, I say, get back. Et comme j'ai de gros yeux. And since I have big eyes. Vraiment, elle a eu peur, elle est rentrée. She was frightened, she went back in. Heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes des amis. Thank God that today we are friends. Parce qu'elle aurait dû me détester toute sa vie. Because she could have hated me all her life. La femme de votre pasteur. The wife of your pastor, Pastor Meyer. Elle était ma brebis quand j'étais dirigé l'assemblée de maison. She was my sheep when I was leading the house church. Hier, je lui ai dit que vrai coco. Tout le monde me connaît maintenant comme un bon tir. I told her yesterday, Coco, now everybody knows me as a good guy. They don't know how brutal I was. Intolerant. I loved them. I loved her. Je les aimais, je l'aimais. Very deeply. Très profondément. But I was brutal. Mais j'étais brutal. But God changes us. Mais Dieu nous change. Hallelujah. Amen. God breaks us. Dieu nous brise. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Ça nous a fait beaucoup de bien. It did us a lot of good. Beaucoup de bien. Much good. Je me souviens. I remember. Un jeune homme, a young man, a remis un livre. He gave a book à mon ami, to my friend. Et il nous a rencontrés avec le livre. And he met us with that book. Il nous a rencontrés sur le chemin. He met us on the way. Et il a récupéré le livre. And he took back the book. Le livre s'intitule. That book is titled. La joie d'être une femme et le rôle de l'homme. The joy of being a woman and the part of man. En fait, ce jeune homme voulait de mon ami. So, actually, that young man wanted my friend.
Il a récupéré le livre. So he took the book. C'est quel livre? So which book is this? C'est pour vous enseigner la pornographie? Is it to teach you pornography? Maintenant là? Non. Il a pris le livre. He took the book. Il est parti. And he went. Hallelujah. 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 Nous avons été sauvés. We were saved. De nous nourrir d'un enseignement précoce. Protected from receiving a premature teaching. Inutilement précoce, ajoute le pasteur. Uselessly premature. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je pense que j'étais même gentil. Normalement, j'allais juste brûler. I think I was being kind because normally I could have just burnt it. The leader is brutal. The leader est brutal. Because he's handling an army. Parce qu'il gère une armée. But the pastor. Mais le pasteur. Can both be brutal. Peut à la fois être brutal. But he must bring assurance. Mais il faut qu'il apporte l'assurance. The brethren must feel safe. Les frères doivent se sentir en sécurité. When he is around. Quand il est là. The brethren must feel safe. Les frères doivent se sentir en sécurité. When he is around. Quand il est là. Especially when they are going through low periods. Surtout quand ils passent par des moments bas. Every pastor who was ordained in Yaoundé under Brazzac. Chaque pasteur qui était ordonné à Yaoundé sous le frère Zach had to take a vow. Devait faire un vœu. Never to leave the flock. De ne jamais abandonner le troupeau. In Yaoundé. À Yaoundé. Unless God was sending him outside Yaoundé as a missionary. À moins que Dieu ne le soit en train de l'envoyer hors de Yaoundé comme missionnaire. The pastoral commitment, l'engagement pastoral, is to be with the flock, c'est d'être avec le troupeau, especially in danger, surtout en danger. When there is a civil war, quand il y a la guerre civile, a pastor does not leave. Un pasteur ne quitte pas. Until the last member of his flock has been taken care of. Jusqu'à ce que le dernier membre de son troupeau ait reçu le soin. Normally, normalement, every pastor in Abidjan, tout pasteur à Abidjan, when I will be meeting with the bishops, quand j'aurai la réunion avec les évêques, any elder, tout ancien, who does not have the phone numbers of all his sheep, qui n'a pas le numéro de téléphone de les numéros de téléphone de toutes ses brebis, devrait être renvoyé. Why? Pourquoi? If a bomb fell in Ivory Coast, si une bombe tombait en Côte d'Ivoire, the pastor must be able to call all his people. Le pasteur devrait être en mesure d'appeler tous ces gens et savoir où ils sont. The pastor is present. Le pasteur est présent. Maybe I've never told Colette. Peut-être je n'ai jamais dit à Colette. My assembly was not big. Mon assemblée n'était pas grande. They were around 30-40. Elles étaient environ 30 ou 40. But I had a file for each one of them. Mais j'avais un dossier pour chacun d'entre eux. When I visited them, quand je leur rendais visite, sometimes I went and visit her as a student. Quelquefois, j'allais lui rendre visite en tant qu'élève. When I come back, quand je rentrais, I write a report. J'écrivais un rapport on her file. Et dans son dossier. And I write prayer topics for her. Et j'écris des sujets de prière pour elle. I did that for all my sheep. Je faisais cela pour toutes mes brebis. When I visit, quand je rends visite, I observe, j'observe. And when I come back, et quand je rentre, I write a comment. J'écris un commentaire. J'écris les commentaires. And then I write prayer topics. Et puis j'écris les sujets de prière for all 40 of them. Pour chacune des 40.
The pastor is a mother hen. Le pasteur est une mère poule. You watch your people. Tu veilles sur tes gens. I prayed for most of them for over 10, 15 years. J'ai prié pour la plupart d'entre eux pendant plus de 10 ou 15 ans. Marie Njogbaya, Marie Njogbaya, Isabel Ngobichong, their names are written on my subconscious. Leurs noms sont inscrits dans mon subconscient. Even as a missionary in Nigeria, I pray for them. Même en étant missionnaire au Nigeria, je continue à prier pour eux. No pastor forgets his flock. Aucun pasteur n'oublie son troupeau. It is parenting. C'est le parentage. C'est être parent. C'est être parent. Assurance. L'assurance. They must feel safe. Ils doivent se sentir en sécurité. Especially when they are going through low periods. Surtout quand ils passent par des moments bas. When they lose their job. Quand ils perdent leur emploi. When they go on retirement. Quand ils vont en retraite. When the children come. Quand les enfants arrivent. And the budget to send them to university has increased. Et le budget pour les envoyer à l'université a augmenté. When sickness strikes. Quand la maladie frappe. Though I walk through the valley of the shadow of death. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. I fear no evil. Je ne crains rien. Because you are with me. Car tu es avec moi. The remedy for fear is presence. Le remède de la peur, c'est la présence. Du verset 4. Your rod and your staff, they comfort me. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Ça dit que si tu es en train de errer hors du chemin, tap, tap, tap. Ça, c'est le bâton. Et si il est en train d'aller comme ça et il y a un piège ici, tu ne peux pas taper parce que, étant brebis, il va juste tomber. La houlette. Qui a compris les deux? Le bâton, quand il est en train d'errer, la houlette, quand il est en danger. Ok, mets la sécurité. La sécurité. La sécurité assurée par le bâton et la houlette. La houlette. Quand on va revenir, when we come back to that, si on revient, if we come back at all, on va devoir étudier les outils du pasteur. We'll have to study the tools of the pastor. Chaque pasteur doit développer ses outils. Each pastor should develop his tools. Ce qu'il utilise. What he uses. Pour assurer et pour orienter. To assure and to guide and to lead his sheep. Parce que Dieu se sert des outils que le pasteur a développé. Because God uses the tools that the pastor has developed. Moïse avait un bâton, un verge. Moses had a staff. Quand Dieu a pris le dessus, when God took over, la verge de Moïse est devenu l'instrument de miracle. Moses' staff became an instrument for miracle. Si par le travail dû, if through hard work, on ne développe pas des outils, we don't develop the tools.
on ne pourra pas avoir un ministère distinct parce que la puissance de Dieu n'aura rien sur quoi tomber. We will not be able to have a distinct ministry because God's power will have nothing on which to fall down. Le pasteur doit cultiver, développer ses outils de travail. The pastor must cultivate, develop tools for his work. C'est avec ça que Dieu va un jour travailler pour rendre son ministère distinct. That's what God will use someday to make his ministry a distinct ministry. En Côte d'Ivoire, in Ivory Coast, le Seigneur a dirigé le frère Boniface. The Lord led Brother Boniface pour commencer à utiliser le livre La Vraie Repentance. To begin, selon son témoignage. To use the book True Repentance according to his testimony. Après plusieurs années, after many years, le prochain outil qu'il a découvert, il a cristallisé ça dans un ministère avec un outil doctrinal qui n'est pas subjectif. Autour du renversement de principautés personnelles, familiales, etc. Il a résumé tout ce par quoi Dieu l'a conduit à aider les frères dans leur pour asseoir leur foi sans interférence. Il a trouvé un outil de travail. De sorte qu'il peut envoyer quelqu'un maintenant se servir de ces outils pour faire comme il l'a fait. Amen. Outil ne veut pas dire que c'est ce qui a produit des résultats. Ce que tu peux utiliser. Donc imagine, peut-être près de 20 ans de ministère pour développer deux grands outils. Les outils, on ne les fabrique pas chaque jour. Dis amen. Amen. Et ce qu'il vient de découvrir, and what he just discovered, c'est pour corriger une œuvre en expansion. It's to correct a spreading work. Au départ, in the beginning, il avait le temps de faire la catéchèse, la catéchèse. He had time to do catechism. Mais avec l'expansion de l'œuvre, but with the expansion of the work, la capacité de corriger les fondements quand les gens viennent. The capacity to correct the foundations when people come. Partout dans le, all through the work. C'est ce qu'il vient de découvrir. That's what he just discovered. Quelque chose pour ramener tout le monde au même pied de décollage. Something to bring everybody to the same point to take off. Ça règle le passé. It settles the past. Ça donne l'élan pour l'avenir. It gives impulse for the future. Every pastor must discover and develop tools. Doit découvrir et développer des outils. Must discover and develop tools. Doit découvrir et développer des outils. That is what God falls on. C'est sur ça que Dieu tombe. That's what the power of God falls on. C'est sur ça que la puissance de Dieu tombe. And many people have not developed tools. Et plusieurs personnes n'ont pas développé des outils. So there are people don't know the pastor's tool. Donc leurs gens ne connaissent pas les outils de leur pasteur. They cannot read the language of accoutumancy. Ils ne peuvent pas lire le langage de l'accoutumance. The dog knows his leash. La brebis devrait connaître son bâton. Le verset 5. Verse 5. Verset 5.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Devine, toi maintenant, devine. On est tous deux en séquence. Tu dresses une table pour moi devant mes ennemis. Ça, c'est une image pour traduire quoi? Qui veut deviner? Je pense que ce passage nous montre comment le berger protège ses brebis quand l'ennemi vient. Il dresse des obstacles, une barrière de protection pour empêcher que la brebis soit atteinte. Mon berger me rend tellement confortable malgré mes ennemis. Il me donne de la suprématie, de sorte que je suis comme à l'aise, comme si, comme quelqu'un qui fait, qui en fait toi, malgré ce que mes ennemis font ne me dérange. Il m'a donné pas seulement la victoire, mais l'ascendance et la suprématie devant mes ennemis. Face à mes ennemis, je continue à manger sans me déranger. Mais il donne même une image ridicule. Il est en train de fêter sa victoire quand l'ennemi est encore en train de faire rage. La bataille n'a même pas encore commencé. Lui, il a déjà fini d'être victorieux jusqu'à rentrer à la maison manger. Donc face à l'ennemi, face à Satan, face aux démons, face aux adversaires, ceux qui ont eu un bon berger ont appris la victoire spirituelle dans le combat spirituel. Ils ont appris la suprématie dans les conflits spirituels. Et l'image que cela traduit, c'est que la présence de l'ennemi ne dérange pas mon appétit. Dis amen alors. Amen. La présence de démons, des menaces, des malédictions dans ma famille et de tous ces genres de choses, ça ne dérange plus mon appétit. Il rend les brebis stables face à l'ennemi. Stable. Victorieux et stable. Imperturbable. Le berger doit rendre ses brebis tellement victorieux sur l'ennemi qu'ils n'ont plus peur de l'ennemi. Chaque pasteur doit enseigner à ses brebis que la présence du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie rend et en sorte que même si tout le monde était rempli de démons, ils sont en sécurité et ils doivent même commencer une fête. Il y avait un homme, un prédicateur anglais. There was an English preacher. Il s'appelait Smith Wigglesworth. He's called Smith Wigglesworth. Un jour, il dormait. One day, he was sleeping. Et Satan est venu dans sa chambre. And Satan came into his room. Il a pensé, dérangé la toiture, faire des bruits. So he pinched him, disturbed the ceiling, made noise. Et l'homme de Dieu s'est réveillé. And the man of God woke up. Il regarde tout de la. He looked round. Il n'a rien vu. He saw nothing. Il s'est endormi. Then he slept off. Satan est venu encore le déranger. Satan came anew and disturbed him. Il s'est réveillé. He woke up. Quand il regarde en bas, when he looked down, il voit Satan sur le chevet de son lit. He saw Satan at the end of his bed. Et il a dit. And he told him. Ce n'est que toi, je pense. Chat. But is it only you? I thought there were cats. Thank you.
compris. What's understood? Ce n'est que toi. Is it only you? Je pensais que c'est les chats. I thought they were cats. Et il a tourné le dos et il s'est endormi. Then he turned back and slept. Il ne s'est pas donné la peine même pour lui dire au nom du Seigneur Jésus-Christ je te réprimande. He did not even bother to tell him in the name of Jesus I rebuke you. Il a juste tourné le dos et il est rentré dans son sommeil. He just turned back and slept. Il pensait que c'était les chats qui vont l'amener pour qu'il se réveille pour les chasser. Mais ce n'est que toi. He thought that there are cats that will make him wake up to chase them. But he realized, but is it only you? Voilà le brebis stable. That is a stable sheep. Face à l'ennemi. Face to the enemy. Tous les manigances de l'ennemi. All the manipulation of the enemy. Le fait que l'Éternel est notre berger. The fact that the Lord is our shepherd. Ça veut dire que quoi? What does that mean? Ça veut dire que quand tu es avec ton père. It means that when you are with your father. Et ton père tient ta main. And your father holds your hand. Tu es en train de marcher avec ton and père. You are walking with your father. Et il y a un petit garçon dans votre corps qui a l'habitude. And there's a little boy in your school who used to threaten you. And you are with your father. And you see that boy. You can eat your ice without bothering, What's understood? That is what David is saying here. Avec toi, with you. Je mange ma crème même en présence de. I eat my ice even in the presence of my enemies. I eat my ice. The shepherd infuses victory. Le berger infuse la victoire. The shepherd infuses victory. Le berger infuse la victoire. Over the enemy. Sur l'ennemi. Deuxième partie. The second part. Read it. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Alléluia. Amen. L'image de quoi? What image? Si quelqu'un rate celui-ci, il faut qu'on le pince le nez. Non. Il faut qu'on choisisse quelque chose qu'on va faire si la personne rate effectivement. Recommande la punition. Il va te donner 500 francs. Bon, il va me donner 500 francs. Ok. Il pointe d'une ma tête et ma coupe de bottes. La brebis doit être comblée de bénédictions et de grâces avec la présence du berger. Donne-lui 500. Ma coupe de bottes et ma prête pour le service. Il m'équipe pour le service. Il m'équipe pour le service. He equips me for service. Je pensais que comme on a tellement loin de roi que personne ne peut rater celui-là. I thought that since they have anointed so many kings, no one could miss that one. Qui a compris? Il m'équipe pour le service. He equips me for service. Hallelujah. Amen. Dois écrire. Il m'équipe pour le service. Deux formes d'équipement. Il ouvre ma tête, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit, ma coupe déborde. Il m'enseigne d'avoir un contenu en Dieu. La connaissance de Dieu, ma coupe, est pleine et ça déborde. Il me oint d'huile l'onction qui vient du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, un intérieur plein est la puissance d'en haut. Amen.
He may keep below service. He equips me for service. Le pasteur doit savoir équiper le brebis pour le service. The pastor must be able to equip the sheep for service. Le pasteur doit équiper les brebis pour le service. The pastor must equip the sheep for service. Verset 6. Verse 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Semeur. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Sixièmement, le ministère du pasteur ne finit pas même quand le brebis est devenu un serviteur de Dieu. The ministry of a pastor does not end even when the sheep has become a servant of God. La suivi. Follow up. Vous voyez, vous êtes tellement compliqué. Lui-même, il dit que m'accompagneront, vont me suivre. Suivre. La suivi. Follow up. Pourquoi vous êtes trop compliqué dans la tête comme ça? Why are you people so complicated in your heads? La suivi. Follow up. Hein? Le suivi. Le suivi. Follow up. Le suivi. Follow up. Le pasteur suit ses brebis malgré tout ce que eux y deviennent. The pastor follows up on his sheep, what, no matter what they become. Le pasteur c'est un policier permanent dans la vie. The pastor is a policier ou police. Policier. C'est un policier permanent. The pastor is a permanent policeman in the life of his sheep. Il envoie deux détectives. He sends two detectives pour suivre chacun de ses brebis. To follow each of his sheep. C'est quoi? What is that? La bonté et la goodness. Goodness and mercy. Mercy. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le pasteur a deux détectives. The pastor has two detectives. Pour suivre ses brebis. To follow up on his sheep. La bonté. Goodness. Il doit savoir comment sa brebis est en train de vivre. He needs to know how his sheep is living. How he's doing. Une attitude réaliste face à ses besoins. Quand même il est déjà devenu indépendant et un serviteur de Dieu. A realistic attitude towards his needs, even when he has already become independent and a servant of God. Il y a toujours de la place dans la vie de tes brebis pour toi, pas comme son autorité, mais à la place pour ton amour. There is always room in the life of your sheep for you. Not for you to exercise authority, but to manifest love. Qui me comprend? Who is understanding? Premier test. First test. Combien brebis d'Abidjan sont partis en Europe? How many sheep from Abidjan are in Europe? Est-ce qu'il y a un suivi? Is there any follow-up? Où sont vos brebis qui sont partis de la Côte d'Ivoire? Where are your sheep who left Côte d'Ivoire? Le ministère pastoral ne finit pas. Pastoral ministry never ends. Ça suit le brebis. It follows the sheep. Même quand il est devenu un grand serviteur de Dieu. Even when he has become a great servant of God. Il y a toujours la place pour lui. Pour lui envoyer l'amour. There's always a room to send him love. Il y a toujours la place pour le pardonner quand il a échoué. Il doit avoir quelqu'un avec qui
tourner pour recevoir la miséricorde. There must always be room to forgive him when he has failed. He must always have somebody towards whom, to whom to turn to receive mercy. Dans le Nouveau Testament, you see in the New Testament, Apôtre Pierre qui commence. Apostle Peter begins. De Pierre. Second Peter. Pierre. Peter. À tous les saints. To all the saints. Dispersés dans le diaspora. Dans la diaspora. Dans la diaspora. Scattered in the diaspora. En Rome. In Rome. En Bithynie. In Bithynia. Et ainsi de suite. And so on. Cette lettre, c'est une suivie. This letter is a follow-up des brebis qui avaient quitté Jérusalem. Of the sheep who left Jerusalem. C'était toujours ses brebis. They were still his sheep. Malgré le fait d'être éparpillés partout. Even though they were scattered all over. Le livre de Jacques. The book of James. Le livre de Jude. The book of Jude. Le livre de 1 Pierre. The book of 1 Peter. Le livre de 2 Pierre. The book of 2 Peter. Sont tous des livres destinés aux brebis qui ne sont plus localisés. Are all books targeting the sheep who are no longer localized? Who are no longer in the locality? Who are no longer in the locality? Qui veut lire l'introduction de 2 Pierre? Who like to read 1 Pierre? The introduction to the book of 1 Peter. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 2 Pierre 1, à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Parfait. Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Aux 12 tribus, c'est-à-dire les Juifs, n'est-ce pas? Mm-hmm. Qui sont où? Dans la dispersion. Dans la dispersion. Jude, verset 1. Verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Amen. Le pasteur suit les brebis. The pastors follow some of the sheep. Même quand ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Even when they have become great servants of God. Il reste leur serviteur. He remains their servant. Son suivi. His follow up. C'est le bon don. A good gift. C'est le pain. It is bread. C'est le euro. It is euros. C'est le dollar. It is dollars. Hallelujah. Amen. C'est le CFA. It is CFA. C'est le pain. Loins, clothes, materials. Trouve un moyen de suivre avec bonté tes brebis. Find a way to follow up generously your sheep. Ça fait partie du ministère pastoral. It is part of pastoral ministry. C'est comme un grand-père qui t'envoie les arachides du village. It is like a grandfather who sent you groundnuts. Qui a une vieille grand-mère qui est au village qui de temps en temps lui envoie des pistaches. mais vous comprenez de quoi je parle? You understand what I'm talking about? Le pasteur est comme ça. That is how the pastor is. Même quand tu es déjà devenu un grand homme de Dieu, même quand tu as déjà ton ministère à toi, le pasteur, il ne vient pas pour te contrôler. Il vient dans ta vie pour apporter la bonté
et la miséricorde. Et donc, pour t'apporter le pardon là où tu as échoué, pour t'apporter les félicitations là où tu as réussi, pour t'apporter des encouragements là où tu en as besoin. Amen. Voilà le pasteur. Il est déjà loin. Sa coupe déborde déjà. Yeah. Et il est déjà un serviteur de Dieu. Mais sa bonté et sa miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Le ministère pastoral ne finit pas. The pastoral ministry never ends. C'est un bon ministère. Et je demeurerai dans ta maison pour toujours. And I shall dwell in your house forever. Ça, c'est le dernier. That's the last. Ça, c'est oversight. What is oversight? La surintendance. Le pasteur veille sur la communion de ses brebis avec Dieu. Où qu'il soit, quel que soit ce qu'ils sont devenus, il veille sur ses brebis. Même quand ils sont devenus des grands hommes de Dieu, il a un point sur lequel il veille, la communion avec Dieu. Même si tu es loin où, même si tu es devenu un grand homme de Dieu, ton pasteur a la responsabilité de demander, est-ce que tu viens, est-ce que toi tu entres encore dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vis dans la présence de Dieu? Est-ce que tu maintiens ta communion avec Dieu? Ça, c'est la question permanente du pasteur sur tous ses brebis, quel que soit ce qu'il devient. Qui a compris? Who has understood? Grosso modo. Ça, c'est une introduction générale sur le ministère du pasteur. This is a general introduction to the ministry of the pastor. Tel que David a expérimenté. As David experienced it. Et ça nous instruit sur ce que le pasteur doit faire selon le modèle de Dieu. And it teaches us what a pastor has to do, should do, following God's model. Il nourrit spirituellement. He feeds spiritually. Il encourage. He encourages. Il rassure. He assures. Il sécurise. He secures. Il assure la victoire de ses brebis sur l'ennemi. Il les rend même autonomes face à l'ennemi. J'aimerais que 10 personnes viennent prier, même si on n'entre pas dans les détails. Je savais qu'on ne va plus rentrer dans les détails. I want 10 people to come and pray. Pourquoi l'encouragement est le deuxième grand ministère du pasteur? Why is encouragement the second big ministry of the pastor? Dans la pédagogie de l'enfant, in child pedagogy, training. Il est établi que pour avoir une personnalité saine. It is established that for you to have a normal personality, tu as besoin de 75% de compléments. Compliments, et tu as besoin de 25% de correction. That you need 75% of compliments and 25% of corrections, rebukes. La personnalité est bâtie avec les compliments. The personality is built with compliments. On doit juste apporter les corrections comme le piment. Corrections must be brought as pepper. Mais si tu sers tout un plat de piment comme repas. But if you dish a whole plate of pepper, like to serve as a dish. Qui va manger? On met le piment un peu. They give a bit. They put a bit of pepper. Les corrections doivent être utilisées comme le piment. Corrections must be used, should be used like pepper. Mais la vie doit être remplie de compliments. But life must be full of compliments. Les paroles d'un pasteur bâti.
The words of a pastor builds up. Et si ses paroles sont en majorité négatives, il détruit. But if his words are mainly negative, he will be destroying. C'est pour ça que l'encouragement vient après l'enseignement. That's why encouragement comes after teaching. Si l'enseignement c'est pour donner des principes par lesquels vivre. If teaching consists in giving the principles for life, by which to live. By which to live. L'encouragement apporte les motivations pour vivre. Encouragement brings motivation to live. Ceux qui ont eu très peu de compliments. Those who received too little compliments. Ils se créent d'autres motivations viles et basses. They create empty motivations, low and empty motivations for themselves. Ville, low motivation. Par exemple, la jalousie. For example, jealousy. Donc il part à l'école parce qu'il veut être comme les autres dans son village. So he goes to school because he wants to be like the others in his village. Par exemple, l'envie. For example, envy. Ton mari salue une autre sœur. Your husband greets another sister. Et tu regardes. And you look. Pourquoi est-ce qu'il la salue? Chaque jour après l'église, il salue ses sœurs. Why did he greet her? Every day after church service, he greets this sister. Qu'est-ce qu'il attire là-bas? What attracts him? C'est parce qu'elle s'habille bien. It's because she dresses well. Maintenant. Now. Chaque jour. Every day. Elle décide d'être la photocopie de l'autre sœur. She decides to be a photocopy of the other sister. Elle s'habille maintenant comme elle. She now dresses like her. Photocopie. Photocopie. Des motivations viles. Low motivations. Les jalousies, les envies. Jealousies, envies. Les comparaisons. Comparisons. L'orgueil. Pride. Parce que sa vie est très piètre en motivation positive. Because his life is poor, very poor in positive motivation. Il n'a pas été aimé. He was not loved. Il n'a pas un vrai envie de faire de son mieux pour plaire. He does not have a true motivation, desire to please. To do his best. To do his best to please. Quand quelqu'un l'aime, when someone loves him, ça ne ressort pas le meilleur de lui. He does not bring out the best of himself. Il veut profiter au meilleur de cet amour. He wants to take advantage to the best of the best. Il est déformé. He's deformed. C'est une règle qui n'est pas droit. He's a ruler that is not straight. C'est une machine mal calibrée. He's a machine that is not well shaped. Tout en lui est à l'envers. All is clumsy about him. C'est parce qu'il n'a pas eu une personnalité bâtie. It's because he didn't have a good personality, well built up. Avec du positif. With what is positive. Avec de l'amour. With love. Il n'a pas eu dans sa vie. In his life, he did not have. Il n'a pas eu quelqu'un qui voyait ce qui est unique, distinct et particulier en lui. He did not have someone who saw what is unique, what is exceptional, what is particular in him. Pour ressortir cela. To bring it out. Afin qu'il puisse vivre avec ce qu'il est. So that he could live with what he has, what he is. Sans se renier. Without denying himself. Il lui a manqué des encouragements. He lacked encouragement. Sa vie n'a pas été. Sa personnalité a été affamée. His personality has been starving. Affamée de compliments qui rehaussent, qui bâtissent. Starving from uplifting
compliments. Et il peut être très capable. And he could be very capable. Mais il est sûr de ce qu'il fait seulement quand les autres applaudissent. But he can only be sure of what he's doing when the others clap. Une grande partie de sa vie a été détruite. A good part of his life has been destroyed.